Bonsoir à tous, et bien aujourd'hui dans l'émission Musique en France, nous recevons Sacha Rojdestvensky. Il a 27 ans, il est né dans une famille de musiciens très célèbres. Sa mère est pianiste, son père est chef d'orchestre. Il a étudié au Conservatoire de Moscou, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et puis au Royal College of Music de Londres. Il joue beaucoup avec orchestre, mais aussi il se produit en récital, notamment avec François Végèle. François Végèle, lui, qui a terminé ses études au Conservatoire de Paris et à Vienne, et tous les deux vont enregistrer bientôt un disque consacré aux danses hongroises de Brahms. Pour l'instant, ils vont interpréter la première des deux sonates pour violon et piano de Béla Bartók, deux œuvres qui ont été écrites dans le même élan entre 1921 et 1922. Allegro appassionato, adagio allegro. Voici la sonate numéro 1 pour violon et piano de Béla Bartók, interprétée par Sacha Rojdestvensky au violon, François Végèle au piano, en direct du studio 106 de la Maison de Radio France. Thank you.
Thank you.
Sacha Rozhdestvensky au violon, François Végel au piano interprétait la première sonate de Béla Bartok. Stravinsky, maintenant une très belle œuvre, la suite italienne. Et la suite italienne, c'est un titre que l'on retrouve trois fois dans la production de Stravinsky. Il y a une suite d'orchestre titrée ainsi, qui est tirée de Pulcinella. Il y a aussi une suite italienne pour violoncelle et piano que Stravinsky a réalisée à la demande du célèbre violoncelliste de l'époque, Grégor Piatigorsky. Et puis, il y a une ou deux, plutôt, transcriptions pour violon et piano. La première, une transcription de 5 des 11 mouvements de la suite d'orchestre de Pulcinella, une suite qui était appelée d'après des thèmes, fragments et pièces de Pergolèse. Stravinsky avait fait cette transcription pour le violoniste polonais Paul Kochanski, qui à l'époque dirigeait la Juilliard School de New York. Mais finalement, c'est la transcription de Samuel Dushkin, réalisée en 1934, qui a traversé les années et que l'on joue maintenant assez souvent. Introduzione allegro molto, serenata larghetto, Tarantella vivace, gavotta con due variazioni, scherzino presto alla breve, minuetto et finale. Nous écoutons la suite italienne d'Igor Stravinsky, Sacha Rozhdestvensky au violon, François Végel au piano, en direct sur France Musique pour l'émission Musique en France.
Mais oui, deux préludes, opus 34 de Chostakovitch, deux préludes pour piano, transcrits par Dimitri Ziganov pour violon et piano, interprétés à l'instant par Sacha Rojdestvensky au violon, François Végel au piano. Pour terminer cette émission en direct du studio 106 de la maison de Radio France, avec aujourd'hui Jean-Louis Boissonnade, Rafik Evorkian, Patrick Miard, Véronique Kerdiles et Michel Dumontier.